body was sick. Quand il était malade, and couldn't rise up again. But you, he protected your life. We enter February. Oh, the Lord was still there for us. Church of God, I will not be ungrateful. This is the day that the Lord has made. And I will be glad. And I will say thank you, Lord. Amen. And I want you to close your eyes. Because I see the Spirit of the Lord moving. Parce que je vois l'Esprit du Seigneur se mouvoir. The Lord is in His holy temple. Le Seigneur est dans son saint temple. Il est sur le point de vous toucher. Amen. Amen. Close your eyes. Fermez les yeux. When we walk with the Lord. In the eyes of His word, what a glory He shines. Oh yes, on our way. While we do His will, He abides with us, and we all. And we all who will trust.
d'être devant Jésus que d'obéir et de lui faire confiance. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Jehovah, we exalt your name. Jehovah, nous exaltons ton nom. There is no other way. Il n'y a pas d'autre manière. Hey, if there is any other way. S'il y avait d'autres chemins. Let anybody declare it. Que quelqu'un le dénonce. But we have searched through this world. Nous avons cherché partout dans ce monde. We have not only you, Jesus. Nous te connaissons seulement toi. You are the life. Car tu es la vie. You are the way. Tu es le chemin. The truth and the life. La vérité. No one goes to the Father. Personne ne va au Père. Except through you. Si ce n'est qu'à travers Jesus. Jésus. We call upon thy name. Nous invoquons ton nom. For your name is a strong power. Car ton nom est une forteresse. There are many of us here. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Who are holed up. Qui sont retenus. In dark places. Dans des endroits ténébreux. We need the light of this world. Nous avons besoin de la to shine upon our path. À prier sur notre path. There are many of us today. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui. That are crying to you. Qui pleurent vers toi. Out of our darkness. De notre ténèbre. Out of our darkness. De notre ténèbre. Some are crying to you. Certains pleurent vers toi. Some are in pain. Certains sont dans la douleur. Out of their darkness. Hors de leur ténèbre. They are crying to you. Ils pleurent vers toi. Some are rejected. Certains sont rejetés. Out of their darkness. Hors de leur ténèbre. They are crying to you. Ils pleurent à toi. Some don't know what to certains do. Certains ne savent pas quoi faire. Out of their darkness. Hors de leur ténèbre. They are crying to you. Ils pleurent à toi. Some don't know what to certains eat. Certains ne savent pas quoi manger. Out of their darkness. Hors de leur ténèbre. They are crying to you. Ils pleurent vers toi. Some don't know where certains to go. Certains ne savent pas où aller. But out of their darkness. Mais hors de leur ténèbre. They are crying to you, Lord. Ils pleurent à toi, Seigneur. Today. Aujourd'hui, let the entrance of your way que l'entrée de ta parole bring illumination. Emmène l'illumination. Let the entrance of your way que l'entrée de ta parole bring revival. Apporte le réveil. Let the entrance of your que l'entrée de ta parole take away pain. Retire la douleur. Let the entrance of your que l'entrée de ta parole bring restoration. Apporte la restauration. Let the entrance of your way que l'entrée de ta parole bring good news. Apporte la bonne nouvelle. Let the entrance of your way que l'entrée de ta parole bring hope to the hopeless. Apporte l'espoir aux désespérés. Oh, Jesus, oh Jésus, we surrender this place nous to you. Soumettons ce lieu à toi. When we walk with you, Lord, quand nous marchons avec toi, Seigneur, what a glory we share. Quelle gloire nous partageons. I ask the glory to be revealed. Je demande à cette gloire d'être révélée aujourd'hui. I ask the glory to be revealed. Je demande à la gloire d'être révélée. Let the glory fall over your church. Que la gloire tombe sur ton église. Father, I declare. Seigneur, je déclare. Let your angels be released. Que tes anges soient relâchés. We arrest today. Nous arrêtons aujourd'hui. Every demon spirit. Tout esprit démoniaque. And I declare this afternoon. Et je déclare cet après-midi. Any embargo. Que tout embargo. That they have laid on your people. Qui a été placé sur ton peuple. I break that chain today. Brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. I break that spirit. Brise cet esprit. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. And I speak over your people. Je proclame sur ton peuple. That today. Qu'aujourd'hui. We will see your glory. Nous verrons ta gloire. Let there be a different dimension. Qu'il y ait une dimension différente. Put me aside, Lord. Mets-moi de côté, Seigneur. And minister to your church. Et parle à ton peuple. I'm just a vessel, Lord. Je ne suis qu'un vase, Seigneur. Let me speak your oracles. Que je proclame tes oracles. Let me speak your way. Que je parle ta parole. Let me speak your mind. Que je parle ta pensée. Help me, O God. Aide-moi, Seigneur. To declare that says the Lord. À déclarer ta parole. Let not the enemy rejoice. Que l'ennemi ne se réjouisse pas. Let not the enemy rejoice. Que l'ennemi ne se réjouisse pas. For he has tried. Car il a essayé. But the devil is a le diable est un échec. Jesus will triumph. Jésus triomphera. Jesus will triumph. Jésus triomphera. In this house today. Dans cette maison aujourd'hui. We thank you for heaven. Nous te remercions pour le that ciel. We are marching on. Afin que nous marchions. Unto you alone be the glory. Toi seul sois la gloire. Great things you have done. Yes. And greater things is the Lord. Le plus grand Seigneur. He's about to do for somebody. Seigneur, tu es sur le point de faire. In Jesus' mighty name. Dans le nom de somebody Jésus. Shout hallelujah. Que quelqu'un crie alléluia. Amen. Amen. Please be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Take your Bible with you. Prenons nos Bibles ensemble. Let's see what the Lord has for us. Et voyons ce que le Seigneur a pour nous. For this is the day. Car voici le jour. That the Lord has made. Que le Seigneur a mis en place. And that we should rejoice. Afin que nous nous réjouissions. And be glad in it. Et que nous soyons heureux. Brothers and sisters. Frères et sœurs. The world that we are living in. Le monde dans lequel nous vivons. Is not a safe place. N'est pas un endroit de sécurité. So the Bible says. Alors la Bible déclare. Those who have
ceux qui ont des oreilles, let them hear qu'ils entendent what the Spirit ce que l'Esprit saying to the church. Est en train de lui dire à l'église. May the Lord give you ears que le Seigneur vous donne des oreilles that you will hear today. Afin que vous puissiez entendre. As a matter of fact, en fait, it's not everybody ce n'est pas tout le monde that has the spiritual ears qui a des oreilles spirituelles. But thanks be to God, mais gloire au Seigneur that He has called you and us. Il vous a appelé nous into His marvelous life. Il vous a appelé vous et moi. That whenever we come to the house, we will hear His voice. Today I beseech you, by the mercies of the Lord, that as the word is telling, may you understand the things of the Spirit. For Bible says, a time is coming, and now is the time that the true worshippers, they will worship the Lord in the Spirit and in truth. Hear me, Church of God. The time is not yesterday. If you are waiting for tomorrow, it will be too late for you. If you are looking to a man, it will be too late for you. There is no time again to look to your sister. There is no time again, for heaven is at hand. Soon and very soon, et bientôt et très bientôt, our Lord Jesus notre Christ, Seigneur Jésus Christ, He will appear in His glory. Il apparaîtra dans sa gloire. And the Bible says, et la Bible déclare, a trumpet will be sound, une trompette sonnera, and those that are ready, et ceux qui seront prêts, they will be caught up, seront retirés. Today, aujourd'hui, are you among the remnant? Est-ce que vous êtes parmi les restants? Are you among the remnant? Est-ce que vous êtes parmi les restants? Hallelujah. Amen. I just want to minister about our Lord Jesus. J'aimerais juste parler de notre Seigneur Jésus-Christ. He has given me a charge. Il m'a donné une charge. And I want to fulfill. Et j'aimerais accomplir the promise I made unto les promesses que je lui ai faites. There are many things I can preach about. Il y a beaucoup de choses à propos desquelles je pourrais prêcher. There are many people I can talk about. Il y a beaucoup de gens à propos desquels je pourrais But parler. Hear me, church. Mais écoutez-moi, église. I'm here to talk about the je Lord suis Jesus. Ici pour parler du Seigneur He's Jésus. The only important person Il est la seule personne importante in this whole world. Dans ce monde entier. Without Him, sans lui, we can do nothing. On ne peut rien faire. But I declare to you, je vous déclare donc, with Him, qu'avec lui, you are more than conqueror. Vous êtes plus que vainqueur. With the Lord being on your avec side, le Seigneur de votre côté, you are more than conqueror. Vous êtes plus que vainqueur. In Jesus, dans name. Le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Today, je parle aujourd'hui about the light. De la lumière. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Oh, you are quiet. Praise vous the Lord. Silencieux. Gloire au Seigneur. When you have been in darkness before, quand vous avez déjà été dans les ténèbres, then you will understand alors vous comprendrez the importance of light in your l'importance life. De la lumière dans votre vie. Church of God, Église de Dieu, some people understand certaines personnes comprennent that it took the grace of God il a fallu la grâce de Dieu to bring them out pour les faire sortir of that dark corner de ce coin ténébreux where they were hiding là où ils étaient cachés where the enemy kept them là où l'ennemi les a gardés. It took the hand of Jehovah to deliver them pour les délivrer out of that darkness. De ce ténèbre. I have been in that place before. J'ai été dans ce lieu par that is why c'est la raison pour I am not ready je ne suis pas to prêt play a fool à faire l'insensé to enter into that et darkness. À re-rentrer dans ces ténèbres. Again. Encore une fois. There are some of us, il y a certains d'entre nous we understand, on comprend we can play a fool again, qu'on ne peut plus faire de bêtises to enter again, pour retourner into that darkness. Dans ces moments ténébreux. Because where we were, parce que là où on était, he took the hand of God il a fallu la main de Dieu to bring us out. Pour nous faire sortir. And I declare today, et je proclame aujourd'hui the same hand that delivered que la même main qui vous a délivré de ces ténèbres, may the hand protect que la main vous protège and keep you in the et vous garde dans For la lumière. Jesus is the only car light Jésus est la seule lumière that our world knows. Que le monde connaît. The only light il est la seule lumière that you and I que vous et moi need in this world. Avons besoin dans ce monde. The light of this il est la lumière du monde. Church of God, Église de Dieu. I present to you je vous présente the light la lumière that is our Lord Jesus. Qui est notre Seigneur Jésus. God in His great mercy, Dieu dans sa miséricorde understood a compris when He was creating the world, quand il créait le monde that the world was in darkness, que le monde était dans les ténèbres. And because God understands et parce que Dieu comprend that without you having the light, sans que vous ayez la lumière your life votre vie is not going anywhere. Ne va nulle part. The first thing that la God première chose created que Dieu a créé is the light. Était la lumière. Because you cannot do anything without the light. Sans la lumière. If you
your life is looking for meaning, si votre vie recherche du sens, you first need the light. Vous avez d'abord besoin de lumière. If you are looking for answers, si vous recherchez des réponses, why some things are going on, de pourquoi certaines choses prennent place, you first need the light. Vous avez besoin de lumière. Hallelujah. Amen. As a matter of fact, en fait, I was preparing myself for church. Je me préparais pour l'église. One Saturday, un samedi, in Ghana, au Ghana, and whilst I was preparing myself, et pendant que je me préparais, took my clothes, j'ai pris mes vêtements, put them somewhere, je les ai mis quelque part, getting my things ready, je me préparais. When I finished everything, quand j'ai tout fini, and I was about to iron my things, j'étais sur le point de repasser mes immediately affaires. Immediately, I took the things. J'ai pris mes affaires. I saw the unseeable. J'ai vu ce qu'on ne peut pas voir. What it is? Qu'est-ce que c'est? Coupure de courant. The light went off. Il n'y avait plus de courant. And I stood there. Je me suis tenu là. Ready to go to church. Prêt à aller à l'église. With my hands, avec mes mains, shaking with my clothes, en train de trembler avec mes vêtements en main, didn't know what to do. Je ne savais plus quoi faire. May God rebuke any darkness in your life. Que Dieu réprime toutes les ténèbres. If there has been anything called darkness, quelque chose appelé ténèbres, may God take it away. Que Dieu le retire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Didn't know what to do. Je ne savais plus quoi faire. Then I understood. Alors j'ai compris the importance of l'importance de la lumière. I went to church. J'étais à l'église. With all my clothes. Avec mes vêtements. So I stood at the back. Donc je me suis tenu derrière parce que mes vêtements étaient froissés. Because the kind of clothes that I entered that place. Parce que les sortes de vêtements avec lesquels je suis rentré. If they see me in front. Si on me voyait devant. La ilaha. Mon Dieu. When there is light. Quand il y a la lumière. You are more than a conqueror. Vous êtes plus que vainqueur. Church of God. Église. I'm preparing your mind. Je prépare votre pensée. To listen to something. À écouter quelque chose. And so I understand. Alors j'ai compris. That without the light, que sans la lumière, even when you appear, même quand vous apparaissez, it looks like you have not appeared. C'est comme si vous n'étiez pas apparu. When Jesus is not in your life, quand Jésus n'est pas dans votre vie, your life is meaningless. Votre vie est sans signification. When Jesus is not in you, quand Jésus n'est pas en vous, when the light is not quand in la lumière you, n'est pas en vous, the life that you are living, la vie que vous menez, is in vain. Est en vain. Hallelujah. Amen. But today, mais aujourd'hui, you see the importance. Voyez l'importance de la lumière. Yes. Jean chapitre 8, verse number 12. Verset 12. I'm going to be reading quickly. Then Jesus spoke again unto them, saying, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness, but have the light of life. He spoke again unto the people, saying, I alone is the light of this world. Il a parlé au peuple en disant, moi seul suis la lumière du monde. I am the light of this world. Je suis la lumière du monde. And he that follow me. Et celui qui me suit. May you be a follower of Jesus Christ. Soyez un suiveur de Jésus. Hallelujah. Amen. Now let's move on to the book of Jonah. Maintenant allons-y dans le livre de Jonas. Chapter 3. Chapitre 3. And I will show you something. Et je vous montrerai quelque chose. Voyons rapidement. Now the word of the Lord came to Jonah the second time. 2. Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day walk. Then he cried out and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. 5. Now the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast,
and put on sackcloth. From the greatest to the least of them. Then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Do not let them eat or drink water. But let the man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let every man turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? 10. Then God saw their works, and they turned from their evil way, and God relented from his disaster that he has said he will bring unto them, and he will not do it. Somebody say amen. Amen. Quelqu'un dit amen. On a lu du verset 1 au verset 10. Brothers and sisters, chapitre 3. Frères et sœurs, the light that I'm talking about, la lumière dont je parle, is the light of la the lumière world. Du monde, that is Jesus Christ. Qui est Jésus Christ. He is the light. Il est la lumière. And the Bible says, la Bible dit, there came a man called Jonah. Un homme appelé Jonas. Jonah was a man that was sent by God. Jonas était un homme qui avait été envoyé par Jonah Dieu. Was a man who Jonas went in disobedience. Il était un homme qui avait été dans la désobéissance. Jonah didn't obey the voice Jonas of God. Jonas n'a pas obéi à la voix de Dieu. Jonah disobeyed and went Jonas the other direction. A désobéi et parti dans l'autre direction. And as a result of et that, en résultat de sa désobéissance, he was kept in darkness. Il était gardé dans les ténèbres. May your disobedience que votre désobéissance never put you into ne darkness. Vous mette pas dans les ténèbres. Because if God is looking, si Dieu regarde, if he will see through your heart, pouvoir regarder dans votre cœur, il y a beaucoup d'endroits ténébreux qu'il vous gardera. But today, mais aujourd'hui, may the mercies of the Lord miséricorde du Seigneur release you from that vous relâche de ces ténèbres. That is why I said, c'est la raison pour laquelle some j'ai of us understand que certains d'entre nous comprennent de là où est-ce qu'on a été. It took the light of this il a fallu la lumière du monde, that is Jesus Christ, qui est Jésus Christ, to bring us out. Pour nous ramener. And we can't afford et l'on ne peut pas to be in the darkness encore before. Payer le prix d'être dans les ténèbres encore une fois. Hallelujah. Amen. When you are kept in darkness, quand vous êtes gardé dans les ténèbres, you don't see your way. Vous ne voyez pas votre chemin. When you are kept in darkness, quand vous êtes gardé dans les ténèbres, the people cry. Les gens crient. When you are kept in darkness, quand vous êtes gardé dans les ténèbres, you go through pain. Vous traversez les when douleurs. You are kept in darkness, quand vous êtes gardé dans les ténèbres, you go through frustration. Vous traversez la frustration. Quand vous êtes gardé dans les ténèbres, the people murmur. Les gens murmurent. But today, mais aujourd'hui, I present to you the je light. Vous présente la lumière. If you have never seen si the vous n'avez jamais before, vu la lumière auparavant, may you receive the light recevez today. La lumière aujourd'hui. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. If you have never seen si the vous n'avez light, jamais vu la lumière, wherever the light appears, partout la lumière apparaît, darkness disappears. Les ténèbres disparaissent. So brothers and sisters, ainsi donc frères et sœurs, if we claim today si nous clamons that we have accepted que nous avons accepté Jésus as our Lord and Savior, comme notre Sauveur, where is the light et Seigneur, où est la lumière that is showing in our lives? Qui est démontrée dans notre where is the light où est la lumière that Jesus gave us? Que Jésus nous a donné. The Bible says, la Bible dit, Jonah ran away. Jonas s'est enfui. He was kept in darkness. Il était gardé dans les ténèbres. There are some of us, il y a certains d'entre nous, we have been kept in that darkness. Nous avons été gardés dans des ténèbres. Because of disobedience. À cause de la désobéissance. And the Spirit of the Lord says, l'Esprit du Seigneur dit, that I should tell you today, de vous dire aujourd'hui, if you will look back to si Jesus, vous regardez vers Jésus, you will be out of that darkness. Vous sortirez de ces ténèbres. You will be out of that darkness. Vous sortirez de ces ténèbres. Set into your life. Regardez dans votre where vie. The enemy has kept là où l'ennemi vous a gardé. Are you in darkness? Est-ce que vous êtes dans les ténèbres? Or are you in the light? Bien dans la lumière. If you are in the light, si vous êtes dans la lumière, why isn't the light of Christ la being seen in your life? Christ, ce n'est pas if you are in the light, si vous êtes dans la lumière, then why are you still? Alors comment est-ce que
chasing those things that you are chasing. Vous poursuivez encore ces choses que vous poursuivez. Jonas was kept in darkness. Était gardé dans les ténèbres. And the Bible says, et la Bible déclare, one day he cried out, qu'un jour il a crié unto God, vers le Seigneur. And the Lord had mercy. Et le Seigneur a eu pitié. And he came out. Et il est sorti. And so from the chapter number one, et depuis le chapitre 1, put me to chapter 1. Le chapitre 1. When you see the chapter number 1, vous voyez le chapitre 1, the Bible says, la Bible déclare, and the Lord called Jonah, le Seigneur appela Jonas for the second time, pour la seconde fois. Some of us, God has given us the second chance. Certains d'entre nous, Dieu nous donne la seconde chance. Because if he will reveal unto you, parce que s'il devait vous révéler, what you did in the first place, ce que vous avez fait premièrement, you are not supposed to be here. Vous n'êtes pas censé être ici. We are not supposed to be here. Nous ne sommes pas censés être ici. But he has called us the second time. Il nous a appelé une seconde fois. May you be like Jonah. Soyez comme Jonas. That will hear the voice of God. Et vous entendrez la voix for de Dieu. For the Bible says, la Bible dit, God called Jonah. Dieu a appelé Jonas. Again, the second time. Hear me, sister. Écoutez-moi, ma sœur. The Lord is calling you again. Le Seigneur vous rappelle. May you have an ear. Ayez des oreilles. That you will hear the word of God. Pour entendre la parole. May you have an ear. Ayez une oreille. That you will understand. Pour entendre. The voice that is calling you. La voix qui vous appelle. There are some of us. Il y a beaucoup d'entre nous. The enemy has blocked our ears. L'ennemi a bloqué nos oreilles. We don't understand. On ne comprend pas. When the Lord is even talking to us. Quand le Seigneur nous parle. That is one of the greatest problems. Ça c'est l'un des plus gros problèmes of the church today. De l'église aujourd'hui. Because there are many voices. Il y a beaucoup de voix. So we can't differentiate. Donc on n'arrive pas à différencier. Between the voice of God. La voix de Dieu. And the voice of man. La voix de l'homme. We can't differentiate. On n'arrive pas à différencier. Between the voice of God. La voix de Dieu. And our own flesh. De notre propre chair. And something spoke to me. Oh, quelque chose m'a parlé. We can't understand. On n'arrive pas à comprendre. When God is talking. Quand Dieu est en train de parler. But when God speaks. Mais quand Dieu parle. When God speaks. Quand Dieu parle. Those who have an ear. Ceux qui ont des oreilles. They will understand. Comprennent. So the Bible says. Donc la Bible déclare. God called Jonah. Dieu a appelé Jonas. Again the second time. Encore une seconde fois. Sisters. Les sœurs. When God calls you. Quand Dieu vous appelle. When God gives you the chance. Dieu vous donne l'occasion. What are you doing with que it? Que faites-vous avec ça? Are you still kept in the dark? Êtes-vous toujours gardé dans les ténèbres? Are you still lying? Êtes-vous toujours en train de mentir? Are you still? Êtes-vous toujours fornicating? En train de fornicating? Are you still toujours en train de are you still doing wicked things? Vous toujours en train de faire de mauvaises choses? Car ce sont ces choses. The people in the dark. Des gens des ténèbres. But I beseech you in the mercy of God. Par les miséricordes. I came to present to you. Je suis venu vous présenter. The light of the world. La lumière du monde. When the light comes. Quand la lumière vient. Everything changes. Toutes choses changent. When the light comes. Quand la lumière apparaît. Everything changes. Toutes choses changent. When Jonah heard. Quand Jonas entend. The second voice. La voix. He saw in himself. La vue en lui-même. That I messed up in the first place. I can't afford to miss the second chance. Hear me, Church of God. We serve a living God. It is by His grace that we are here today. He is calling the church to arise up in glory. He is calling the men and women that will hear the voice. He is calling you and I that the time and the season is right for us. Hear me, Church of God. Jonas saw the light, a vu la lumière, and he understand. Et il a compris. When I was in the belly, que quand j'étais dans le ventre de la baleine, je ne voyais rien. But now that I am mais maintenant out, que je suis dehors, I will follow the light. Je suivrai la lumière. May you follow the light. Suivez la lumière. May you do what the word of God faites says. Ce que dit la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. There are many of us. Il y a beaucoup d'entre nous. That we don't see the importance of the light. Qui ne voient pas la lumière. Ou l'importance de la lumière. As I take you through this journey, pendant que je vous fais passer, put on the chapter one for them. Remettons le chapitre 1. As I glance through, pendant que je parcours, the word of the Lord, la parole du Seigneur, came unto Jonah, est venue à Jonas. And the Lord said in the verse 2, et le Seigneur a dit dans le verset 2, arise. Lève-toi. Somebody say arise. Que quelqu'un dise lève-toi. Say arise. Dis lève-toi. Say arise. Lève-toi. I declare unto you, je vous déclare, the light of this world, que la lumière de ce monde, is calling you again, est en train de vous rappeler. He said, arise. Il dit, lève-toi. That means you have been seated. Ça veut dire que vous êtes assis. We have been seated for too long. Ça fait trop longtemps que nous sommes assis. We have been seated for too long. Ça fait trop longtemps que nous sommes assis. When God called you,
Quand Dieu vous a appelé, He didn't call you to sit down. Il ne vous a pas appelé pour que vous vous asseyiez. Hello? Est-ce que vous m'entendez? I say he didn't call you to sit down. Il ne vous a pas appelé pour que vous vous asseyiez. When a light appears, quand une lumière apparaît, something disappears. Quelque chose d'autre disparaît. When light appears, quand la lumière apparaît, darkness disappears. Les ténèbres disparaissent. Some people are still in darkness. Il y a des gens qui sont encore dans les ténèbres. And you are sitting down. Et vous êtes assis. Some people are sitting Certains in darkness. Sont assis dans les ténèbres. Some are even in your family. Certains sont même dans votre famille. You have refused to talk to them. Refuse. You have refused. Vous refusez to declare the light de déclarer la lumière that you have seen. Que vous avez vue. The light la lumière has shined in your life. Brille dans votre vie. Darkness must disappear. Les ténèbres doivent disparaître. He told Jonah, il a dit à Jonas, arise, lève-toi, go on to Nineveh, va à Ninive, that great city, ces grandes villes. Brothers and sisters, frères et sœurs, I say today, je dis aujourd'hui, the Lord is calling you, le Seigneur vous appelle, Jesus is calling you, Jésus vous appelle, that you should arise, afin que l'on puisse se lever. The neighborhood that you are sitting, le voisinage dans lequel where you are sitting, là où vous êtes, there is somebody here, il y a quelqu'un. That needs to know the light. Il doit connaître cette lumière. Here in this neighborhood, ici dans ce voisinage, there are some people here. Il y a des gens ici that needs to know the qui light. Ont besoin de connaître la the lumière. Light is Jesus. La lumière c'est Jésus. You refuse et vous refusez to talk about the light. De parler de la lumière. Today, aujourd'hui, I didn't come with je ne suis pas venu avec des paroles séductives qui vous rendront heureux. But I came to present mais je suis venu vous présenter the hard one. Les paroles du Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. The light. La lumière. The Son. Le Fils. And the living God. Et le Dieu vivant. The one that matters. Celui qui importe. He has given you life. Il vous a donné la vie. He has given you life. Il vous a donné la lumière. He brought you out. Il vous a fait sortir out of the mighty clay. De la boue. And set your feet. Et il a établi vos upon pieds the rock. Sur le rocher. That you may know afin que vous that he Jehovah God. Lui, Jehovah he Dieu. Is in you. Il est en if vous. Christ is in you. Christ est en he's vous. Saying arise. Alors il dit, levez-vous. If Christ is in you, Christ est en he's vous. Saying arise. Alors il dit, levez-vous. Faith foundation. Faith foundation. We have been seated for nous too long. Nous sommes assis depuis trop longtemps. We have been seated for too long. Nous sommes assis depuis trop longtemps. The church has become only, l'église only this group est seulement devenue ce petit groupe. It has become a group. C'est devenu un petit groupe. But the Lord mais le Seigneur is calling us to arise. Est en train de nous rappeler. There are many outside. Il y a beaucoup là-dehors. There are a lot outside. Il y a beaucoup là-dehors. We can reach out to them. On peut encore les atteindre. I want to challenge you today. J'aimerais vous mettre au défi aujourd'hui. If there is a light in you, s'il y a une lumière en vous, you don't know what he has given vous ne you. Savez pas ce qu'il vous a donné. He told Jonah, il a dit à Jonas, he said, arise, il a dit, lève-toi, go to Nineveh. Va à Ninive. I have given you the light. Je vous ai donné la lumière. And some people are perishing. Certaines personnes périssent là-dedans. If Jonah have refused, si Jonas a refusé, the second time, la seconde fois, do you know, est-ce que vous savez, God will have destroyed the people. Dieu aurait détruit le peuple de Ninive si Jonas avait refusé. God has put his light in you. Dieu a mis sa lumière en vous. And you are covering it. Et vous êtes en train de recouvrir you are cela. Wicked. Vous êtes méchant. You are wicked. Vous êtes méchant. For having the light. D'avoir la lumière. And you are covering it. Et vous la recouvrez. Brothers and sisters. Frères et sœurs. Arise. Levez-vous. And let's see what happened. Et voyons ce qui s'est passé. Go on to Nineveh. Today. Aujourd'hui, the Lord is saying to you le Seigneur vous dit, à vous et moi, there is Nineveh ahead of us. Ninive est devant nous. There is Nineveh Ninive ahead of us. Est devant nous. Nineveh represents the dark. Ninive représente les ténèbres. Nineveh represents the people Ninive représente who les gens doesn't know the light. Qui ne connaissent pas la lumière. Nineveh represents Ninive représente those who are visiting the fetish priests. Qui vont encore chez les féticheurs. Nineveh represents Ninive représente those who are consulting mediums. Qui consultent les médias. Nineveh represents Ninive représente those who are kept ceux qui sont gardés in dark places. Dans des endroits ténébreux. He said, arise. Il dit, lève-vous. And go. Et allez. Preach unto them. Prêchez-leur. That I have told you. Ce que je vous ai dit. So since Jesus gave you life. Donc depuis que Jésus vous a donné la vie. What have you tell people? Qu'avez-vous dit aux gens? What have you released? Qu'avez-vous relâché? Today. Aujourd'hui. Arise. Levez-vous. Because if you refuse. Parce que si vous refusez. To arise. De vous lever. It will not be well. Ce ne sera pas bien. The verse number 3. Le verset 3. When you reach further. Quand vous lisez plus loin. Bible says. La Bible dit. And Jonah arose. Et Jonas s'est levé. My God. Today somebody will arise.
Aujourd'hui, quelqu'un se lèvera. I say somebody will arise today. Je dis, quelqu'un se lèvera aujourd'hui. Jonah didn't sit at one place. Jonas n'est pas resté à un endroit. When he saw the light, quand il a vu la lumière, he arose. Il s'est levé. Today, may you arise in Jesus. Aujourd'hui, levez-vous dans le nom de There Jésus. Are some of you, il y a certains d'entre vous. God has given you great gifts. Dieu vous a donné de grandes choses. And you are still sitting down. Et vous êtes encore assis. There are some of us, il y a certains when we open our mouth to talk, ouvre la bouche pour parler, people salute les us. Gens nous saluent. When we open our mouth to talk, la bouche pour people parler. Bow down. Les gens fléchissent. God has given you the Dieu strength. Dieu vous a donné la force. And you are down. Et vous êtes assis. Bible says, la Bible dit. Jonah arose. Jonas s'est levé. And went to Nineveh. Il est parti à Ninive. There are some of you. Il y a certains d'entre vous. God has given you great gifts. Dieu vous a donné de grands dons. You must work for God. Et vous devez travailler pour Dieu. You must do the work vous of devez God. Faire le travail de Dieu. But something is holding mais quelque you down. Chose vous retient. You have allowed darkness vous avez permis aux ténèbres to cover your life. De recouvrir votre vie. But today, mais aujourd'hui, may that darkness be removed. Que ces ténèbres soient retirées. Anything that has been covering toute chose you for, qui vous recouvre for the past years, depuis ces années, may the blood of Jesus que le sang de Jésus take away that darkness. Retire ces ténèbres. When you are in darkness, quand vous êtes dans les ténèbres, you don't see joy. Vous ne voyez pas la joie. But today, mais aujourd'hui, may the blood of Jesus que le sang de Jésus take away your darkness. Retire vos ténèbres. Tell yourself, dites à vous-même, that I will arise. Je vais me lever. Say I will arise. Je vais me lever. Say I will arise. Je vais me lever. Today, aujourd'hui, I brought you. Je vous ai emmené. The light of this world. La lumière de ce monde. Who is the light? Qui est la lumière? The Lord Jesus. Le Seigneur Jésus. He said, anybody. Il a dit toute personne. Who follows me? Qui me suit? Who have light? In the midst of darkness, au beau milieu des ténèbres, when light appears, quand la lumière apparaît, it's important. C'est important. How do you value the word of God? Comment valorisez-vous la parole de Dieu? How do you value comment the death of Christ? Valorisez-vous la mort de Christ? How do you value comment valorisez-vous the blood le sang that he paid for us? Qu'il a payé pour nous. How do you value it? Comment valorisez-vous ça? How do you value comment valorisez-vous the nails les clous that he received in his hands. Il a reçu dans ses mains. How do you value it? Comment valorisez-vous ça? They strip him naked. On l'a dénudé. How do you value it? Comment valorisez-vous cela? There are some of us. Il y a beaucoup d'entre nous. Even if they take off your shirt, même si on retire votre chemise, your anger will appear. Votre colère apparaîtra. Your anger will appear. Votre colère apparaîtra. They will take your dress out. Le jour on va sortir votre vêtement. You will curse. Vous allez maudire. How do you value this? Comment valorisez-vous ça? Looking unto Jesus. Regardons vers Jésus. Who endure? Qui a enduré? This great pain. Cette grande douleur. For you and I. Pour vous et moi. Today I beseech you. Aujourd'hui je vous encourage. Don't let the death be in vain. Ne permettez pas la mort d'être en vain. He has given you the light. Il vous a donné la lumière. And he said, arise. Et il dit levez-vous. And Jonah arose. Et Jonas went unto Nineveh. Est parti à Ninive. According to the word of the selon Lord. Selon la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Because you will be obedient. Parce que vous serez obéissant. Some people will be saved. Certaines personnes seront sauvées. I say because of your obedience, à cause de votre obéissance, God will give great things into your donnera de grandes choses dans vos mains. Move on to the chapter 4. Allons-y dans le chapitre 4. Verse 4. Because of your obedience, because of your obedience, à cause de votre obéissance, for the Bible says, car la Bible déclare, Jonah began to enter the city, a commencé à rentrer dans la ville, in a day, le jour, but the road was to take 3 days. Mais le chemin devrait prendre 3 jours. When you see the light, quand vous voyez la lumière, and you decide to obey, et que vous décidez d'obéir, God will give you an anointing. Dieu vous donnera l'onction. That will overpass. Qui surpassera your expectations. Vos attentes. The Bible says, la Bible déclare 3 days journey, un voyage de 3 jours. Jonah was able to complete. Jonas a été capable de la because of his obedience. À cause de son obéissance. I beseech you today, je vous encourage may the same God que le même Dieu grant you your heart desire. Vous attend le désir de the votre things cœur. That you are not able les to do que vous étiez capable de when faire. You see the light, vous verrez la lumière. You decide to follow the light, vous déciderez de suivre la you lumière. Be able to fulfill vous serez capable d'accomplir your destiny. Votre destinée shall be able to be fulfilled.
accompli. For Jonah began the day. Car Jonas a commencé le voyage. He fulfilled it. Et il a accompli. In just a day. Seulement en un jour. There are some things that you have been struggling with. Il y a des choses avec lesquelles vous luttez. It was supposed to take long. Qui était censé prendre longtemps. But today, mais aujourd'hui, as you decide to obey, quand vous décidez d'obéir, and to arise up, et de vous lever, may your 3 day journey, que votre voyage de 3 jours, become one day for you. Devienne un jour. I declare unto you, je vous déclare, the same God, que le même Dieu, who was able, qui était capable, to help Jonah, d'aider Jonas, to complete, à accomplir, a 3 day journey, un voyage de 3 jours, in just one day, en seulement un jour. The same God will help you. Struggle in your life. Anything that is in your life, that is a delay. That is a delay. When the light appears, there will be no delay again. Hear me, Church of God. Every delay in your life, the solution today is to receiving the light. The solution today is receiving Jesus. When Jesus appears, all your struggles, vous ne les verrez plus dans le nom de Jésus. For yet, car encore, the journey was long. Le voyage était court. The journey was long. Le voyage était mauvais, pardon. But when Jesus came in, mais quand Jésus est rentré en compte, the journey became short. Le voyage est venu, devenu court. There are some people, il y a certaines personnes. Where we are coming from, de là où nous venons, we can't afford again, on ne peut même pas faire l'erreur de retourner dans les ténèbres. As I minister to you, pendant que je vous parle, I want to use this man, j'aimerais utiliser cet homme, a man who was destined, un homme qui était destiné, to bring greatness, à emmener la grandeur, a man whose birth, un homme dont la naissance, was even prophesied, était même prophétisé. He's called Samson. Il appelait Samson. Samson was a man. Samson était un homme. When he was given to his mother, quand il était donné à sa maman, the Bible says, la Bible dit, even his birth alone, même seulement sa naissance, was a prophecy, était une prophétie. The mother, sa maman, was one day, était un jour, visited by an angel, a été rendue visite par un ange. The angel declared, et l'ange a déclaré, that you will conceive. Tu mettras au monde. So don't drink any alcohol, donc ne prends pas d'alcool, or any strong wine, ou bien quelque vin fort. Today, aujourd'hui, may the Lord help you, que le Seigneur vous aide, to understand, à comprendre, the greatness in you, la grandeur en vous, the greatness in you, la grandeur en vous, the greatness in you, la grandeur en vous. You can't afford, vous ne pouvez pas faire l'erreur de retourner dans les ténèbres. And the Bible says, et la Bible dit, when the mother conceived, quand la maman l'a conçu, she gave birth to Samson, elle a mis au monde Samson. Even at the tender age, même à l'âge de Samson, the Spirit of the Lord came upon him. Le Seigneur est venu sur lui. He saw the light. Il a vu la lumière. At that young age, à ce petit âge, Samson was doing marvels. Samson faisait des choses. It came to a time, à un moment donné, that women, les femmes, deceived him, l'ont trompé, and his light, et sa lumière, began to disappear, a commencé à disparaître. May your light not disappear. Que votre lumière ne disparaisse pas. Anyone that is trying, toute personne qui essaie, to let your light disappear, de faire disparaître votre vie, may the blood of Jesus, que le sang de Jésus, be against them. Se lève contre eux. For the light, car la lumière, is the one that will show you, est ce qui vous montrera, where to go, où aller. And the Bible says, et la Bible dit, they caught something in a well. On a attrapé Samson. Destroy his destiny. On a détruit sa destinée. And the light disappeared. Et sa lumière a disparu. Whenever we sin, à chaque fois que nous péchons, whenever you sin, à chaque fois que vous péchez, you are giving the door, vous laissez la porte ouverte, for the light to disappear, à laisser partir la lumière. Whenever you sin, à chaque fois que vous péchez, you are opening the door, vous ouvrez la porte, for darkness, pour les ténèbres, to come back again, à rentrer encore. And so Samson, et donc Samson, that great man, ce grand homme, who was able to kill giants, était capable de tuer des géants. Now he was controlled. Maintenant, il était contrôlé. Because in the days of Samson, parce que dans les jours de Samson, only one person, seulement une personne, he was able to control, il était capable de contrôler all the Philistines, tous les Philistins. But it came to a time, et à un moment donné, that the Philistines, que les Philistins, was controlling Samson. Contrôlaient Samson. This is a sure sign, voici, that your light is going out, un signe clair, when the things that you are in control, que votre lumière disparaît, begins to control you, quand les choses que vous contrôlez, it's a sure sign, c'est un that your light is going down. Lumière, when you who used to pray, vous qui avez l'habitude de your prier, prayer life is reducing. Votre vie de prière, it's a sure sign, c'est un signe, that your life is going down. Votre vie, when
And the spiritual things. Lumière disparaît. That you used to be excited about. Quand les choses spirituelles qui avaient l'habitude de vous exciter. You are no more excited. Ne vous excite plus maintenant. It's a sign. C'est un signe. That your light. Que votre lumière. Is going down. Est en train de disparaître. Brothers and sisters. Frères et sœurs. This great man. Ce grand homme. Who used to control. Qui avait l'habitude de contrôler. Is now being controlled. Maintenant est contrôlé. Now look into your life. Regardez dans votre vie maintenant. Look into your life. Regardez dans votre vie. And see. Et voyez the things that are controlling. Les choses qui vous contrôlent. There are some of us. Il y a certains d'entre nous. We don't control television. On ne contrôle pas la télévision. But television controls. Mais la télévision nous contrôle. Hello. Est-ce qu'on m'écoute? You don't like that one. Vous n'aimez pas. As if there are some of us. Certains d'entre nous. We don't control. On ne contrôle pas. Bottles in our house. Les bouteilles d'alcool dans nos maisons. But bottles control us. Ce sont les bouteilles d'alcool qui nous contrôlent. There are some of us. Il y a certains d'entre nous. We don't control friends. On ne contrôle pas les amis. But friends control us. Les amis nous contrôlent. Who is controlling you? Qui vous contrôle? Who is in charge of your life? Qui est au contrôle de votre vie? Who dictates for your life? Qui dirige votre vie? You haven't seen the light. Vous n'avez pas vu la lumière. That is why you are still following them. C'est la raison pour laquelle vous les suivez. You haven't seen the light. Vous n'avez pas vu la lumière. That is why you are still following them. C'est la raison pour laquelle vous les suivez. If the light is in you, la lumière est en vous. Your life will be different. Alors votre vie sera différente. Brothers and sisters, frères et sœurs, let the light. Laissez la lumière shine in your life. Brillez dans votre vie. Wherever light appears, partout la lumière apparaît. Darkness disappears. Les ténèbres disparaissent. Darkness will disappear. Les ténèbres disparaissent. When God was creating the world, quand Dieu créait le monde, in the midst of darkness, au milieu des ténèbres, he said, "Let there be light." Il a dit qu'il y ait la lumière. From today, à partir d'aujourd'hui, you understand, comprenez, that the most important thing in your life, la chose la plus importante is not the things of this world, pas les choses de ce monde, but the light of God, mais la lumière de Dieu, that is Jesus Christ. When Jonah saw the light, Jonas a vu la lumière, he was going forward. Aller de l'avant. And today, et aujourd'hui, may you also go forward, vous aussi allez de l'avant. As you see the light. Pendant que vous voyez the light la lumière, will cause you to go la lumière vous poussera à aller de l'avant. The light will cause you la lumière to vous poussera à voir the things that you haven't les seen choses before. Que vous ne voyez pas. When Jonah saw the light, Jonas a vu la lumière. A journey of 3 days, un voyage de 3 jours became a day's journey. Est devenu un voyage d'un jour. It means ça veut dire struggle will cease. Que la lutte Move s'arrête. On to the verse 5. Allons-y au verset 5. The Bible says, la Bible dit, in the verse number 5, au verset 5, as Jonah continued the journey, comme Jonas a continué le voyage, I want to show you a revelation. Je voudrais vous montrer une révélation ici. Because when you are obedient, parce que quand vous êtes obéissant, God will not only give you small things, Dieu ne vous donne pas seulement de petites choses. So the people of Nineveh, donc les gens de Ninive, believe God, ont cru en Dieu. Hey, do you know that some people, est-ce que vous savez que certaines personnes, will believe God, croire en Dieu. Because of you. À cause de vous. Hello. Some people will believe God. Des gens croiront en Dieu. Because of you. À cause de vous. There is a brother. Il y a un frère. Because of the past. À cause de son passé. He couldn't do anything. Il n'a pu rien faire. But when God called him. Mais quand Dieu l'a appelé. And he went to his hometown. Et qu'il est parti dans son village. The day I heard. Le jour où j'ai entendu that the brother was doing a crusade, que le frère là faisait une croisade, I didn't believe it. Je ne l'ai pas cru. That time I wasn't a believer. À l'époque, je n'étais pas Because un croyant. I knew that brother very well. Parce que je connaissais bien ce frère. And I knew what he was capable of doing. Je savais bien ce dont il était capable. But not knowing he has seen mais ne sachant pas qu'il avait vu la lumière. And the light et la lumière is causing people to believe God. C'est les gens à croire en Dieu. When I saw that brother, quand j'ai vu ce frère, oh, because of you, à cause some de vous, people will be able to believe God. Certaines personnes croiront en Dieu. You have been to some dark places, vous avez été dans des endroits ténébreux. But now that God has given mais you the light, Dieu vous a donné la lumière, and He is causing you to arise, et vous pouvez vous lever. Many people will come to know God. Beaucoup de gens viendront connaître Dieu. Many people will come to know the light. Beaucoup de gens viendront connaître la lumière. Because you are going to arise. Parce que vous allez vous lever. And the Bible says, et la lumière, la Bible dit, many people believe beaucoup crurent en Dieu. Because of Jonah. À cause de Jonas. Look into your life. Regardez dans votre vie. Look into your life. Regardez dans votre vie. And tell yourself, et dites à vous-même, the reason why, la raison pour laquelle some haven't believed God, certains n'ont pas cru en Dieu, is because
C'est parce que I am still sitting down. Je suis encore assis. In the year 2016. En l'année 2016. May you put it in your mind. Mettez ça en tête. That you will win a soul for God. Vous gagnerez une âme pour Dieu. That you will win a soul for God. Vous gagnerez une âme pour Dieu. May you win a soul for God. Gagnez une âme pour Dieu. In the year 2016. En l'année 2016. Before we close this avant year. Avant que nous terminions l'année. May you be a soul winner. Soyez un gagnant. You have been in the house of vous God. Vous avez été dans la maison de Dieu. For years. Pendant des années. And still. Et encore. People don't see the light. Les gens ne voient pas la lumière. Brothers and sisters, frères et sœurs, when light appears, quand la lumière apparaît, sin disappears. Le péché disparaît. So I can know, donc je peux savoir, whether you are in the light, si vous êtes dans la lumière, when I see your works, quand je vois vos œuvres, so I can know, donc je peux savoir, if you have Jesus or si vous not, avez Jésus ou pas. It's not you, ce n'est pas vous, proclaiming with your mouth, proclamant avec votre bouche seulement, but we can see, mais on doit aussi voir, if you have Jesus si or vous not, avez Jésus ou pas. If we see the light in you, en voyant la lumière en vous, because when light appears, parce que quand la lumière apparaît, darkness disappears, les ténèbres disparaissent. Today, aujourd'hui, I brought you this short message. Je vous ai emmené ce court message. That look onto your life. Regardez dans votre vie. The Bible says, la Bible dit, because of Jonah, à cause de Jonas, they believed God, ils ont cru en Dieu, and the king proclaimed et le roi a proclamé un jeûne. Hallelujah. Amen. Because of you, à cause de vous, great men, de grands hommes, will come to know God. Viendront connaître Dieu. Because of Jonah, à cause de Jonas, kings were able, les rois étaient capables, to come and see the light, de venir voir la lumière. You don't know who God has vous ne savez pas ce que Dieu a fait. That is why you are still c'est la raison now. Pour laquelle vous êtes encore you don't know what he has vous ne savez pas ce qu'il a fait de because vous. Because of you, à cause de vous, kings will come to know les rois viendront le connaître. Because of this church, à cause de l'église, many people will come to know the light. But why are we sitting mais down? Pourquoi sommes-nous encore assis? Today, aujourd'hui, if the light si la lumière is in us, est en nous, then we must arise. Alors on doit se lever. As I minister this short pendant way, que je donne ce court parole, I told God, j'ai dit à Dieu, I will speak it, je la proclamerai, irrespective of anything, peu importe. Because Jesus parce que Jésus is calling you and I. Vous appelle vous et moi. Today, aujourd'hui, let's go back to the light. Retournons à la lumière. If you have never seen the si light vous n'avez before, jamais vu la lumière auparavant, he is Jesus Christ, il est Jésus-Christ, the one who died for celui you, qui meurt pour vous, the one who saved celui you, qui vous a sauvé. Don't reject him, ne le rejetez pas, because heaven parce que le ciel is waiting for attend. Us. Those who reject the light, ceux qui rejetteront la lumière, they can't see the place. Ne pourront pas voir la grâce. They can't see the glory. Ils ne verront pas la gloire. Because according to Revelation, selon Apocalypse, the Bible says, la Bible dit, there is no light there. Il n'y a pas de lumière. Only the glory, seulement la gloire of this light. De cette that lumière. Is the glory of Jesus. La gloire de Jésus-Christ. And so those that are ready, et donc ceux qui sont prêts, they see this glory. Verront cette gloire. Faith foundation. Faith foundation. I beseech you today. Je vous encourage aujourd'hui. Let's run to the light. Courons vers la lumière. For years, pendant des années. We haven't seen. Nous n'avons pas vu. But today, mais aujourd'hui, Jesus is calling. Jésus nous appelle. He said, "Come unto me." Il dit, venez à moi. You who haven't seen the light, vous qui n'avez pas vu la lumière, and I'll give you rest. Et je vous donne du repos. Move to the six. Allons-y au verset 6. As I round it up, for the word came unto the king, and he arose from his throne. La parole est venue au roi, il s'est levé de son trône. Because of your obedience, à cause de votre obéissance, I see kings, je vois des rois, standing on their feet for you. Se tenir. Because of your obedience, à cause de votre obéissance, I see great men je vois de grands hommes et that God will bring into your life. Emmènera dans votre vie. Because of your obedience, à cause de votre obéissance, I see Jehovah, je vois Jehovah, elevating you, élevé en vous. And the king arose. Et le roi se leva. And what did the king do? Et qu'a-t-il fait? He put on sackcloth and ashes. Il a mis des vêtements de deuil. They declared a fast. Et de la cendre sur lui, ils ont déclaré un jeûne. Church of God. Église de Dieu. Jesus. Jésus. Is the true light. Et la vraie lumière. And so David said. Et donc David a dit. Thy word. Ta parole. O Lord. Ô Seigneur. Is a light. Et la lumière. Today. Aujourd'hui. May the Lord put his light que le Seigneur mette sa lumière in your path. Dans vos chemins. May the same light que la même lumière that is able to shine est capable de briller in every darkness. Dans toute ténèbre. May the light shine in que your la path. Lumière brille sur votre wherever chemin. You go, partout où vous I irez, declare unto you déclare, every trap tout piège that the enemy will set for you mettra pour vous because of darkness à cause des ténèbres that you will fall into it. Pour que vous tombiez the Lord will throw a le light Seigneur en
the light. Vous avez vu la you are not turning back. Vous ne vous retournez you are not going back. Vous ne vous retournez you are looking pas. Forward. Vous regardez for the Bible says, Bible dit, looking unto Jesus, vers Jésus, the altar le commencement, and the finisher. Et le I am le that I am. Que je suis the rescuer. Celui qui Church sort, of God, Église, I see Jesus. Je vois Jésus. I see Jesus. Je vois Jésus. I see Jesus. Je vois Jésus. I declare today, the same Jesus, le même Jésus, who made the way, qui a fait le who chemin, made the way for you. I see Jesus, je vois Jésus, the same God, le même Dieu, who was there yesterday. Qui était là hier, he will be there for you. He will be there for you. I see Jesus, je vois Jésus, calling you today. De vous appeler, I see Jesus, je vois Jésus, preparing you for the great things. Pour les grandes choses. If only you will respond. Si seulement vous répondez, you will see his glory. Vous verrez sa gloire. Let's leave on our feet. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Je suis venu avec ce message court. That the light que la lumière is shining today. Brille aujourd'hui. He is the light. Il est la lumière. Brothers and sisters, frères et sœurs, I can't afford. Je ne peux pas faire l'erreur. To be holding up in darkness. You have been struggling for so long. Pendant si longtemps. I want you to give you. J'aimerais vous donner. Yourself. L'occasion. As we minister right now. Pendant que nous terminons maintenant. Si vous avez les yeux fermés. Look into your life. Regardez dans votre vie. Oh my soul. Je ne peux pas faire l'erreur. Être soutenu dans les ténèbres. Jésus est la lumière. Darkness don't comprehend. Je n'ai pas pu le comprendre. La lumière apparaît.